Après les excellents jeux Capcom vs SNK sortis en arcade, Dreamcast et sur PlayStation, et surtout sur l'inégalé SNK vs Capcom The Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket Color, beaucoup d'espoir reposait sur ce crossover magique en version SNK. Quelques années les séparèrent et la monture SNK était attendue au tournant. Au premier abord, la firme aux trois lettres tape un grand coup avec cette magnifique cover où l'on peut apercevoir Kyo Kusanagi, personnage clé de la franchise King of Fighters, furieux, prêt à en découdre face à Ryu, son adversaire, autre combattant phare de la franchise de Capcom. Tout ça dans un duel de regards qui sent bon le règlement de compte sous dopamine. Bel habillage qui soit, que vaut réellement cette monture du géant de l'arcade? Nous allons voir ça tout de suite, après cette intro bien clinquante et qui met le ton. Après cette intro, le jeu vous propose des modes classiques. Premièrement, arcade avec sa trame scénaristique, l'entraînement pour vous familiariser avec les touches, le classique mode versus en 1 contre 1 avec un pote, et le mode survie qui est basé sur une récupération de votre capital santé en fonction de la manière dont vous avez achevé vos opposants. Donne accès à certains individus secrets justifiant à eux-mêmes le temps passé et le pétage de câbles à répétition. Vous pourrez débloquer Redhammer et Athena de Gargoyle Quest. D'ailleurs, parlons du roster. Avec un effectif de 24 combattants plus 12 alternatifs et les deux débloquables, ce qui fait un total de 38 combattants, tous plus ou moins emblématiques des deux éditeurs, sortant de la franchise Samurai Shodown en passant par Darkstalkers ou bien Fatal Fury. De ce côté-là, le titre est plutôt généreux. On notera tout de même un manque d'équilibrage entre les persos. Au niveau du gameplay, c'est la douche froide, et très différent de son concurrent Capcom vs SNK. Donc vous pouvez oublier la roulade et autres esquives, mais aussi les projections à un seul bouton. Le jeu se focalise sur un système de jauge scindé en 3 niveaux, chacun étant atteint par le remplissage de celui qui lui est inférieur. Plus simplement, si votre compteur est de niveau 1, une fois que celui-ci sera empli par vos actions offensives, il passera au niveau 2, sachant que vous pourrez déclencher des super attaques à partir du premier stade, ce qui aura pour effet de vider vos réserves. Et cela jusqu'à atteindre le niveau max. Une fois celui-ci enclenché, il se désemplira progressivement jusqu'au niveau 2. A savoir que durant la baisse de votre jauge, il vous sera possible d'enchaîner plusieurs assauts spéciaux à la suite, jusqu'à épuisement de cette dernière. Cela vous permettra de vous défaire d'opposants un peu trop résistants. SVC Chaos détient un principe appelé Exceed, c'est une sorte de furie dévastatrice qui n'aura la possibilité d'être déclenchée que s'il ne vous reste que la moitié ou moins de votre santé totale. Du côté graphique, le soft se situe entre le bon et le médiocre, donc un constat mitigé. En effet, les combattants sont tous très bien réalisés, et le fait que SNK Playmore a redessiné à sa sauce les figurants Capcom est plutôt appréciable, les rendant autrement plus agressifs. Ils ont bénéficié d'un travail soigné, et leurs sprites autant que leurs animations sont un vrai régal, notamment sur les exceeds. Pour ce qui est des décors, c'est là où le bât blesse. Leur faible nombre et le manque de vie qui s'en dégage fait naturellement pencher la balance du côté négatif. Des couleurs et teintes mal choisies, et des lieux qui ne sont pas en coordonnance et corrélation avec les combattants mis en avant. Le jeu nous propose des décors de fin du monde mal fichus, et qu'est-ce que foutrait Genjuro de Samurai Shodown dans un labo par exemple?
Le seul lieu sympa qui sort du lot est certainement la forêt verdoyante avec sa cascade et son cerf en mouvement, à l'arrière-plan. À part ça, c'est le néant. Les musiques s'en tirent tout juste mieux avec des sonorités techno, un peu à la ramasse, faut dire ce qui est, du rock mollasson, sans nervosité, et on est bien loin des compositions que nous avait servi Capcom pour son jeu antagoniste. Clairement, les musiques de ce jeu ne resteront pas gravées dans les mémoires. Quant au bruitage, pareil, ça manque d'impact, ou encore des voix sans prestance et surtout de puissance. Là-dessus, SNK Playmore manque le coche. Globalement, le jeu est un demi-échec, qui semblait pourtant tant prometteur. De par son casting de bonne facture, gargantuesque et sympathique, mais qui le flingue par son aspect mou, mal équilibré, sa réalisation en dents de scie et une bande-son aux fraises, qui tranche nettement avec ce que l'on attendait de ce crossover vu par les équipes de SNK. Un jeu loin d'être indispensable, néanmoins le plaisir de se mettre des pains dans la gueule est quand même là, et le fait de croiser Chun-Li ou Ken face à Dimitri de Darkstalkers ou Mars People de Metal Slug est une belle curiosité et une occasion rare de ne pas y céder.